Vous avez la fleur, tu as fini avec. Mais c'est quand même marrant. Moi, ça, c'est un demi-bobolo. Ça, quand même, 12 ans. Le Cameroun a des incroyables talents, hein, franchement. J'aime ce pays-là. On vous dit bonjour pour quand même dire bonjour, non? Vous êtes là pour regarder, regardez quoi? C'est quoi ce lundi, maman? Je n'aime pas les gens, mais les vins, hein, je vous dis d'abord. Moi, j'adore qu'on me dit bonjour. On me met les cœurs parce que je ne gagne rien ici. Je ne gagne plus rien avec ça. Voilà. Vous êtes là, vous regardez. Vous regardez quoi? Vous aimez seulement quand le concert va commencer là que vous allez venir commenter ça. Alors là, que je dis que ne commentez pas. Comment ils pètent les plombs, non? C'est lundi, normalement, tu vas faire dire aussi. Prudence, tu es là, tu regardes quoi? Ta mère te fait mal pour mes lecœurs. Sauf que je ne vous vois pas, je vous vois vous tous. Des villageois comme vous, des Mbap. Je ne veux pas les cœurs d'à côté là. Je veux les vrais cœurs. On finit encore le tournoi, jouer la fleur. Je suis fatigué, hein, c'est lundi. Hein. Comme d'habitude, tous les lundis, je dois être fatigué. Et c'est vrai, je suis fatigué. Hein. De toute façon, tout est fermé le lundi chez moi. On fait la publicité, hein? De jouer la fleur. Donc, jouer la fleur n'a pas encore sorti le morceau, c'est à faire. C'est bon, il a mis ça sur quoi là? Pipi, je ne t'ai pas oublié. Comment on appelle ça? Il a quoi vivant? Joseph Toka. Bonjour, je suis Slaveuve internationale.
Shivani Abomo, c'est comment? N'est-ce pas, tu as que tu allais m'envoyer la chaise de blogueur ici, là. Vous savez, les petits gens comme vous, je n'aime pas les gens comme ça. Envoie-moi ton adresse. Je suis une blogueuse, je peux te donner mon adresse privée à tout le monde. Hey! Tu veux demander les choses. Il y a les WhatsApp qui sont là. Personne ne m'écrit à WhatsApp. Tu viens me demander de donner mon adresse. Que tu vas m'envoyer la chaise ici, là. Ah ouais? Tu veux que les gens voient mon adresse pour venir m'agresser chez moi? J'ai deux adresses. Il y a une là-bas, il y a une ici. Celle de là-bas, c'est mieux. Comme ça, je peux voir arriver. Hein? Je donne l'adresse du voisin. Pas mon adresse. Mon adresse est privée. Faites souvent des choses bizarres. Tu demandes qu'on te donne. Ce n'est pas toi qui as dit hier que je donne l'adresse. Tu as oublié hier. Tu étais dans mon direct hier, Chivanis. Tu as oublié hier. Tu étais dans mon direct. Le direct que j'ai fait, c'est à 18h ou c'est à 18h que j'ai fait là. Ce n'est pas toi. Tu veux que je mette la vidéo là au début. Là, j'ai commencé à parler de que il y a des chaises, les blogueurs ont les chaises. Ce n'est pas toi, c'est qui que tu allais m'envoyer. Tu n'étais pas là. Il faut savoir que tu manques devant les hommes. Tu manques devant le peuple. Hein. Parce que si je mets la vidéo là maintenant, la vidéo que j'ai fait hier, j'étais habillé en. J'ai d'abord fait une première vidéo d'anniversaire, habillé en combinaison. Et j'ai fait une autre vidéo, j'étais habillé en ma robe noire. Qui montre les seins ici comme ça. Regarde la vidéo là. Si ce n'est pas toi, je m'excuse. Mais je crois que c'est toi parce que ma mémoire ne me flanche jamais. Oui, tu dis que oui, mais tu me demandes oui de mettre à qui? Mais c'est toi, allez regarder la vidéo. Mais va regarder la vidéo. J'ai fait la vidéo hier. Vers 18h, vers 19h, je crois 20h. J'ai même dansé. C'était une longue vidéo de ma carrière. L'une des longues vidéos de ma carrière. Donc je l'ai fait hier. Mais je sais pas si c'est toi. Hein? Mais je sais qu'il y avait quelque. Ah bon, comme vous avez les doublures là. Vous avez les doublures de d'histoires dans les réseaux sociaux. Donc voilà. Hein? Bon, si ce n'est pas toi, on passe dessus. Mais moi, je n'oublie jamais les noms et les visages. Je peux oublier les visages, mais je n'oublie pas les noms. C'est quoi? Mettre les cœurs, ça vous dépasse de mettre les cœurs? Vous ne voulez pas mettre les cœurs à la veuve joyeuse? Je sais qu'il y a des gens qui croient que je suis amortée. Je suis là, hein? Je suis vivante. Je suis bien là, bien vivante. On va parler, j'ai décidé que on ne parle plus des petites blogueuses là. Faites comme moi, mes waros, les dépendants. Oubliez-les. Oui. Vous savez que les gens sont déjà dans le monde de la drogue. Le monde de la drogue, le monde de femmes là, il faut faire très attention. J'ai compris ça. Merci. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je veux les cœurs. Quand les gens sont dans le monde de la drogue, voilà. Cette chose qui est là-bas en Allemagne qu'on appelle Priskakaka là. Elle veut se faire voir. Parce qu'elle dit qu'elle avait les abeilles. Comment la maman des abeilles, elle a 400 000 personnes qui la regardent chaque soir. Toi, tu as 5 000. Tu n'arrives même pas à monétiser ta propre page. Mais dans les sources sûres, tu as fait venir ta petite soeur. Tu as fait venir ta maman avec l'argent. Toi-même, tu es sans papier. Tu fais venir ta mère en Allemagne. Tu peux venir ta petite soeur. Mais les filles, bah, si vous faites même souvent comment? Moi, je veux comprendre quelque chose. Hein. Tu as fait comment? Tu es sans papier. Tu ne travailles pas. Tu as trouvé un Allemand qui est milliardaire? Non. Parce que sinon, on serait au courant. Hé! Hey! Au moins, toi, tu as quand même bien fait. Comment tu n'as pas accouché là? Tu as fait venir ta mère et ta petite soeur. Mais c'est bien. Mais il faut faire attention. Comment tu as tout abusé de ce sens là? Il faut faire attention. Maman, donne la drogue, donne l'argent comme ça. Hi. Comment je peux commencer à vendre ça? 22 bas. Hé! Hey! Vraiment. Donc, je te donne les mêmes plus Karine. Yeah, yeah, toi, tu es dans un pays que tu n'arrives même pas toi-même. Hein. Même pas les papiers, rien. Mais tu trouves quand même l'argent. Tu fais quelque chose de prostitution comme ça à ce point-là. Ah, c'est vrai, vous avez votre filiale bamiké là, oui, c'est vrai. Que on vous prend de l'argent, vous faites venir votre famille et après vous remboursez après. Ah oui, c'est ça.
Ah oui, si c'est ça là, est-ce que c'est vrai? Parce que moi, ça allait m'étonner. Hein. Vous avez une très bonne filiale, hein, vous êtes américain. Hein. Je vous envie pour ça. Les bonnes filiales, il y a les banlieues qui, maman, il n'y a que eux qui voyagent. Tout le Cameroun va se vider. Bon, partez là, vous êtes sur le Cameroun, nous laissez le Cameroun. Il y a les pays qui sont encore vides ici, là. Surtout le Canada. Parce que c'est votre région, les États-Unis, le Canada, c'est pour vous. Voilà ça. Tu demandes que les gens se forment comment pour aller là-bas. C'est la formule-là toujours, non. C'est qu'un filiale, il faut que j'entre dans la filiale, là. Et ils ont un secret bien caché hein, chez eux. Ils ne disent à personne. Ici, il y a la grand-mère, le grand-père, les aïeux, tout le monde vient ici en Europe. Ils demandent que les gens se forment comment pour venir. Je demande, hein. Je vous demande les cœurs, vous ne mettez pas les cœurs. Demain, aujourd'hui, c'est lundi, non. J'ai quitté ici, je vais m'asseoir à TikTok. Vous me connaissez, non. Mettez les cœurs, alors. Comme ça, on va continuer. Moi, je n'ai rien fait aujourd'hui. Je ne peux pas même pas. Je vais m'aller à la Saint-Tine. Avec le pain. Ha! Vous faites comment, les... Ha! Ici, le frère, la soeur, le cousin, la cousine, tout le monde est ici. Votre filet est forcément pour vous. Hein? Hein? J'ai dit que je veux les cœurs ici. S'il n'y a pas les cœurs, je me casse ici. J'ai vu les cœurs tapissés. J'ai dit que je voulais les cœurs tapissés. S'il n'y a pas de cœurs, on laisse. On ne parle pas. Je m'en vais à TikTok. Donc, tapissez-moi les cœurs ici. Parce que ici, je ne gagne rien. Ma page n'est plus monétisée. Donc, les cœurs, c'est gratuit. Vous êtes toujours comme ça. Vous avez baisé hier. Hein? Vous avez fait quoi hier? Rien. Les dormeuses de Facebook. Tu te lèves à 10h à 1h du matin. Ils sont là. 3h, ils sont là. Tu te demandes à quelle heure tu dors. Mettez les cœurs. C'est quoi? Vous allez vous ne voulez pas mettre les cœurs là. Vous voyez pourquoi? Faut mettre les cœurs. Moi, j'adore les cœurs. Vous mettez les cœurs. C'est moi qui a que vous ne dormez pas. Hein? Moi, je suis une chômeuse internationale. Le lundi, si je sors de ma maison, si, le lundi, c'est pour aller chercher les cigarettes. Lundi, je suis là. Je ne bouge pas, je bois mon vin, je vous insulte. C'est mon rôle. Chaque personne a son rôle sur cette terre. Moi, mon rôle, c'est m'asseoir ici, Onganda, boire mon vin, vous insulter et pleurer quand il faut. Ouais, j'ai. Maman. Tout ce même. Ouais, dans l'année. Ouais. J'ai enlevé ça. L'oiseau s'est venu chez ça. T'es où? T'es caché où encore? Mais tu t'as caché au retour, c'est vraiment le tout. Regarde, tu viens là. Elle se cache. Tu te caches même sous bas. Ah! Tu chies partout. Je vais te chasser d'ici, hein. Tu chies partout, tu sais quoi? Après,
savais. Je vais mettre des shampoings sur toi, tu vas voir. Tu crois que c'est comme ça qu'on fait. Et là, tu ne suis pas, tu ne suis pas. C'est comme ça que je vais te mettre dehors. Je ne suis pas ta bonne, tu attends. Je ne suis pas ta bonne, tu chies partout. C'est quoi ça? On est où ici? J'ai pitié de toi, tu viens chier chez moi partout. J'ai pitié de toi parce que si je te mets dehors là, tu vas mourir une fois. C'est pour ça que je n'ai pas à te mettre dehors. Ne résiste pas. Que tu es faible. Vraiment, c'est ici. Reste là, tu ne bouges pas. J'ai trouvé ma mascotte. Elle dit là, est-ce que j'ai lavé la chambre là? Elle dit qu'elle a chié partout, là-bas, partout, partout. Surtout, tu me respectes, tu ne pisses pas. Si tu me pisses sur moi, je te fous dehors. Moi, t'as tombé là. Tu étais tué, hein? Attends, ta mère arrive là. Ta mère tout à l'heure. Voilà, 16 heures. Mon problème, c'est que si je la laisse là, elle va vouloir sauter. Et si elle saute, elle peut die. Donc, je suis obligé de la garder. Je mets dans le doigt, je la mets comme ça. Je dis saute alors tu pars. Elle dit encore monter. Reste là avec moi. Tu vas soigner mon mal et moi je vais soigner ton mal. Tu es là, une maison, il y a la nourriture, il y a tout. Il y a le vin, il y a le bois, il y a. Il n'y a que les sirènes qui marchent. S'il y avait, s'il y avait quelqu'un, tu pouvais marcher, je pourrais marcher les sirènes, ça allait être bon. Je vais te dompter comme ça, tu vas te marcher les sirènes. On arrive dehors, chaque temps, j'ouvre la porte, je descends, alors tu fuis, tu pars. Elle est là. Viens. Viens. Vas-y. Est-ce que la voix, c'est mais non, il va peut-être mourir. Viens. Viens. Ça va? Ça fait mal? Tu vas sauter? Tu veux jouer? Tu es déséquilibré. Est-ce que ta maman te manque? Mais bon, je ne vais pas te laisser. Tu es tout. Hein? Je sais que ta communauté te manque, mais bon. Tu es un bébé, ça c'est un bébé, ça. Attends. Là, mais... Tu parles, tu tombes partout. Dès que tu voles, tu regardes même tes plans de vol. C'est comme si jamais tu ne voles même pas bien. Il y a la nourriture là-bas, il y a le bobolo. Le gombo, tu vas manger le gombo tout à l'heure. On fait alors comment? Tu es capricieux, tu veux partir, te mets de quoi que pas alors. Dès qu'elle voit dehors comme ça, elle voit des choses comme ça dehors. Elle est comme ça. Elle commence à voler. Gigi. Reste alors ici. Comme ça, quand tu vas grandir, tu pourras voler et tu pourras revenir chez toi dormir. D'accord? Sois patiente. Tu vas guérir, d'accord? Parce que là, ta communauté n'est pas là. Ta communauté, ce sont les gringos. Ils sont en train de dormir à l'aise. Si tu te mets dehors là, tu vas mourir. Tu vas manger quoi? Tu restes avec moi?
Il faudra que je lave ta chambre aujourd'hui là. Le roi de Zaïko Langalanga. Maman, tu es toujours vivant, hein? Tu n'es pas d'ail comme les autres. Non, regardez, hein. On parle de cas de Priscaline, hein. Maman, je pose une seule question, c'est quand, hein? Priscaline. Elle est forte à arrêter pour possession de drogue. On t'a mis en cellule. Donc tu continues. Tu continues. Maman. Ah. Sans papier. Les Allemands sont déjà en train de rapatrier. Hein. Même en France, on rapatrie. Oh. C'est moi qui vous dis. D'ailleurs, les pays comme l'Allemagne ne doivent pas rapatrier les gens. Avec, vu la bêtise qu'ils ont fait. Ils n'ont même pas les droits. Mais si le font, ça veut dire qu'ils sont déjà exténués. Je vous dis. Donc, moi, je te souhaite bonne chance. Sachez seulement que. Ça, moi, on m'a dit ça que. Elle a fait venir sa petite soeur, sa mère, alors qu'elle ne travaille pas. Et ça donne, ça cause la jalousie là-bas, en Allemagne. Parce que elle vend, elle livre le coup. Eh, Pascaline! Tu livres d'un coup. Il a dit que. Hein. Ah oui. Tu ne jures que par les abeilles, hein. Viens à Paris, non, ma. Vous avez votre soirée là, le 3. Le 3 novembre, c'est votre soirée. C'est ce que j'ai appris. Que les dates ont changé. Notre date, c'est le 3 novembre. C'est ce que j'ai appris. Viens alors à Paris. Tu veux dire que tu es quelqu'un. J'ai dit que toi, hein. Tu es une mauviette. Moi, je m'en fous de toi, que tu sois riche ou soit, ou quoi. Parce que la richesse, je ne vois pas ça sur toi. Tu ressembles toujours aux petites filles pauvres du Cameroun. Moi, comme tu avais manqué de respect, que tu m'as insulté, voilà le problème. Je veux te. Si tu viens ici à Paris, Pascaline, pas la bouche, pas la gueule. Vous savez, je suis une personne qui est. Moi, je ne recule devant rien. Pascaline, parce que vous aimez tout, tu ne m'as jamais vu un jour. Tu m'avais contacté à Facebook. Quand il y avait le comment on appelle ça le pays? Il y avait même quoi? La canne. Malheureusement, c'est parce qu'on s'est passé. Tu es rentré ici. Tu as commencé à m'insulter, t'es en Cameroun. Moi j'aime bien quand on me voit en face. Oui. Monica Dias a tremblé devant moi, mais elle va te dire qu'elle ne pas trembler devant moi. Quand tu tremble devant moi, parce que moi je suis Satan. Lolo, alors c'est mon. Vous ne me connaissez pas très bien. Moi je dis, ok. Je dis que quelqu'un est très simple. Toi, Pascaline, comme tu dis que quoi, viens à Paris. La soirée, je n'ai pas mis pour mon Cameroun. La soirée se fera ici chez moi. Votre soirée, ça va se passer où? Ici derrière là. On va voir ça. Je dis qu'on va voir la soirée là, comment ça va se dérouler. C'est moi qui vous dis. Je ne bouge pas, j'attends la soirée là. Comment vous faites comme ça? Vous allez voir ma force de frappe. Quoi? Toi qui? Je ne jure que par les abeilles. Voilà un homme qui est parti à la soirée de UK, la soirée de Washington, le monument. Et là, Njoba, le petit pays, la visage qui est parti refaire son corps, qui se dit maintenant, bosse les du là. Mais là, Facebook, ici, Facebook, c'est que quand vous commencez Facebook au début, c'est quand même marrant. Hein. Elles sont tuées là-bas. Il y a une qu'on appelle Annie Girardot avec ses grosses fesses. Je n'étais pas encore marié. Vraiment, bébé là. La vie, c'est un. Yes! Tu es quoi là? Moi, je t'ai oublié. Elle est là. Elle est avec moi, non? Je suis sa mère. Faut qu'elle parte. Si on peut rester comme ça toute la journée, ça va. Dès que je lui mets là-bas, elle chie partout. Mais quand je suis au salon ici, parce qu'elle n'a pas le droit d'être au salon avec moi. Hein? Elle adore! Quand on t'a appelé, qui a applaudi, personne n'a applaudi. Personne n'a rien fait. Elle s'est levée avec sa robe de magenta sur elle. Pour aller prendre encore quelques bois pour parler de ta soirée.
Depuis quand tu as mis avec Washington le monument? Hey, tu, depuis quand tu as mis avec Washington le monument? Quand? Tout ça passe comme si ta soirée, il faut que tu vas aller raquer les murs partout, partout, partout pour commander que les gens viennent à ta soirée. Tout ça, de toute façon, j'ai décidé que tous les gens qui seront à ta soirée, qu'un camp, tu vas lire. Elle va devoir vous vendre, vous tous. Quand je viens vous dire comme cela, oui. Je vous ai appelé combien de fois? J'appelle la communauté camerounaise que ne mettez pas les pieds à cette soirée. Ceux qui vont partir, vous allez voir là-bas ce qui va se passer là-bas. Quand je parle ici, on regarde ici, les gens ne m'écoutent pas. On va dire, oh, je suis jaloux de quoi? Je n'ai pas besoin d'aller à une soirée pareille. C'est une robe qui me manque. C'est l'habit qui me manque. C'est une chose qui me manque pour porter. Quand on vous parle, vous ne comprenez rien. Parce que vous ne voulez rien voir. Vous êtes omnibulé pour aller dans les soirées caricatives. Voilà comment elle est anéantie. Voilà le nom pipi qui est anéanti. Lolo ne sait plus dans quel, on ne sait plus dans quel compte elle est maintenant là. Lolo est où est Lolo a disparu. Où est la télévision de Lolo? Pipi, où est ta télévision? Ouais, ouais. Elle adore les gens qu'elle écrase. C'est pour ça que moi j'aime Reine Mébio. Reine Mébio, je suis avec toi. Écrase tous ces mécréants là. Écrasez-les. Elles se sont voix uniquement derrière une seule femme, qu'un camp. Mais vous n'avez pas de personnalité. Vous êtes des femmes sans personnalité. Créez votre petit monde. Moi, j'ai mon petit monde à moi. Moi, j'ai un petit monde à moi. Il y a personne qui m'influence. Vous êtes des, on vous influence. Mais oui. C'est quoi ça? Tu es là, tu fais là. Tu fais ta nourriture. Je ne vois pas les abeilles payer la nourriture. Tu vas les savons. Je ne vois aucune abeille payer. Regarde un Tinda pour ce base de me sang là alors. Me sang lui alors. Il est que là-bas, il ne vend plus les huiles. Même les perruques. Il gît que par un camp. Vraiment. Bande de vauriens. Bébé. Il faut les voir. En tout cas. Reine Mébio, je suis avec toi 100%. Maman Jean. Je te salue là-bas. Dans ta position là-bas au Canada. C'est comme ça maintenant. Je suis avec toi. Il faudrait tuer ces mécréants-là. Les gens sont prêts à tout. Quand l'avion va tuer quelqu'un quelque part, vous allez me dire que quoi? Hein? Vous avez compris que les soirées donnent l'argent, hein? Qu'est-ce que c'est? Homme, sweet homme. Maman. Alice, tu vois, quand tu connais avec ta fille, là, voilà ma part ici que Dieu m'a envoyé aussi. Elle s'appelle Maëmi. C'est ma mère ici. Au moins, toi, tu manges quand même. Hein, Maëmi? Tu manges. Tu es bien ici. Pourquoi tu veux voler? Tu crois qu'on vole à la maison aussi? Tu vas voler bientôt. Tu me menaces, tu veux que tu voles. Tu te mets à l'heure de voir que tu la mets comme ça. Que pas alors. Elle dit, Maëmi, pas alors, vole. Elle revient encore, elle monte sur moi. Maëmi. Moi, que je n'ai pas d'amis. Voici mon ami ici. Car c'est comment moi, tu m'as abandonné aussi. Hein? Je ne vous sens pas. Elle ne peut pas. Tu vois, tu es faible. Tu ne peux pas. Tu adores marcher. Elle est malheureuse quand je la porte comme ça. En casse. On a un nouvel enfant ici. Notre c'est ma mère ici, Maëmi. J'ai trouvé là-bas dehors. Elle venait à mourir. Il y a quelques jours. Elle était là. Il est soigné. Et comme c'est un bébé. Donc les tessiers, on va faire comme on avait fait à Paulina. Et c'est toi qui m'as béni. Comme d'habitude. Paulina avait bavardé ici avant de mourir jusqu'à. Et Paulina était sucrée. La tête pour une allée, ça va, je vais l'engraisser, voilà, on va la manger après.
bien sûr. Vous croyez que moi ici. Elle va manger, on va la manger après. Maman, j'ai. Maman. Je nous sais plus, c'est Pauline avait grossi. Pour être devenu maman. Un jour, maman, j'étais sous ici. Voilà Pauline qui a trouvé la, le truc. Pauline a volé. C'est pour ça qu'on coupe toujours les ailes de coq là. Parce que je ne savais pas que le coq volait. Pauline a volé. Arrivé là-bas en bas. Elle ne savait pas où aller. Elle allait se mettre quelque part. Justement, elle avait déjà porté. Il est rapide ici. Tu vas grossir. Encore, tu n'as pas compris, on a calé dans mon Iki. Mais tu vois pas que tu as terminé dans l'anniversaire, ton anniversaire c'est quand? Quand je commence à me préparer, hein? Moi, j'en. L'anniversaire c'est quand? Non, c'est demain, je vais prendre mon téléphone demain. Oui. Oui, le locataire de la chambre là. Qui ne permet pas de loyer. On va la manger. La sauce tomate. Elle veut des piments. Tu vas te manger, hein? T'inquiète pas. C'est pas la première fois que les animaux c'est que je mange. C'est que tout ça. Oui? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour les cafards? Ok. Il est petit, il fait froid dehors, c'est le tonne là. Mais non, je ne vais pas le manger. Ne vous inquiétez pas, je ne mange pas, je ne vais pas le manger. Non, parce que il m'a fait pitié. Ça fait combien de jours qu'il est là? Ça fait 4 jours. Hein? Ça fait 4 jours qu'il est là. Hein? Ah oui, en décembre. Ah ouais, c'est vrai. L'anniversaire, c'est quand? Non, non, non. Non, très contagion, arrêtez ça. Non. Les oiseaux, sinon, vous savez, elle n'est pas atterri ici par hasard. J'étais ici un jour, j'étais en direct, j'étais assis ici en direct. J'étais ici, d'abord, l'oiseau s'est venu la première fois avec sa mère. J'étais là, vous vous souvenez, il y a une vidéo là, vous, ils atterrissent là. Mais comme la celle-ci est petite, attends, je vais vous le dire. C'est bon? Vous avez mangé votre fauve? Bah. Yacine. Vous l'avez trouvé où, soit dans votre dans votre maison? Non, je l'ai trouvé dehors là-bas. Dehors? Bah oui. Ah, le pauvre, il est tombé du nid? Bah, il est tombé du nid, oui, parce que c'est un bébé en fait. Ouais, j'ai vu, ouais, ça se voit. Et donc, du coup, il n'arrive pas à voler, oui. Donc, je vais nourrir un peu pour l'instant. Et alors, ça, il mange, il arrive à manger. Oui, il mange, il a du coup. Après, il va venir chez vous sans arrêt, là. Bah, c'est pas grave, la plupart sont nés ici. Hein. La plupart sont nés ici, là, mon. C'est pas grave. Au moins, il aura quelque chose. Après, vous le mettez où, là, dans un nid? Non, après, je vais. Quand non, il va grandir. Là, vous le mettez dans un nid, là, en attendant, non? Non, mais il y a. J'ai fait une petite place là-bas. Ah, c'est bien. Ouais. C'est votre nom qu'il faut. D-E-G.
C'était à nous, tu as fêté ou tu n'as pas fêté? Parce que moi je n'ai rien vu. Donc tu n'as pas fêté. C'était à nous, nous sommes en septembre. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, mais tu m'as pas invité à ton anniversaire. Hein. Ça c'est un problème. Hein. Si ça s'avère, est-ce que tu as fêté ou pas? Ce n'est pas ce qu'on a dit, hein, Cass. Tu veux qu'on clash? Alors que j'ai les bouteilles de champagne, est-ce que j'ai payé pour ça? Que j'ai réservé. Casse, réponds vite. Oh mon Dieu. Reste. Elle est assise, hein. Elle est assise sur ses épaules. Elle est assise. Et ça va pas que les anges ça se fait aussi. Maman, la maison, si veut tout voir. Elle est assise. Elle me rappelle Namon Goué qui fait de ce moment pour faire des directs. Aïe, voilà. Ma est mise assise carrément. L'oiseau, ce n'est pas plus parti nulle part. Ça regarde même que si je sors avec elle pour se balader, elle va toujours revenir vers moi. Oui, il faut qu'on fête quand même. On va fêter. Depuis quand l'oiseau, tu es ce que tu es le mal l'oiseau? Depuis quand l'oiseau s'assoit. Elle est assise, elle est contente, elle est assise. Je ne savais pas que les oiseaux s'asseyaient. Hein? Ça m'a quand même quelque chose, hein. Et bah oui, le but c'est que qu'elle puisse prendre des forces, quoi, qu'elle grandisse, et puis bah voilà, après elle va partir, bien sûr, va-tu revenir, c'est sa maison. Parce que ce qui est bien, c'est que les animaux, que ça soit... N'oublie jamais là où on les a nourris. Hein. Ils sont toujours reconnaissants. Toujours reconnaissants. Toujours. Donc voilà. Tu crois que tout le monde va vivre comme ça. Elle connaît se cacher. Elle sait se cacher. Je ne sais pas où elle passe sans se cacher, maman. Elle se cache quelque part. Elle se met en boule. Je cherche, je ne trouve pas. Et moi, je crois qu'elle est partie. Hein. J'entends ce moment, c'est quand la femme qu'elle sort. Quoi que je lui ai mis sa nourriture là-bas partout. Elle mange, elle boit l'eau, après elle fuit. Tu vois maintenant, si je ne te prenais pas dehors là-bas, les pigeons de ville ne sont jamais malades parce qu'ils sont déjà vaccinés. Tous les pigeons que vous voyez là, sont allés à vacciner. Il vous boit là. Maman, je la fais à sortir quand nous mon morceau, mon. Tu as vu ça? Tu as écouté le morceau là? Il vous boit là. Les Camerounais, on a quand même des incroyables talents, hein, mon. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? The shit. Vendez le Cameroun, là, vous me donnez ma part. Je suis Camerounais, donc quand on va vendre ce pays, là, vous me donnez ma part. Je pars avec. Parce que... Et ce qui se passe...
La femme du voisin fait quoi de moi, Alexis? Moi aussi, barré là-bas. Rentre à la maison, pour finir. Le bâton de Magnon a fait ses 12 mangues. Il a ses 12 mangues. Le bâton, ton, c'est vraiment. Moi, je vous supporte. C'est bien, c'est bien de faire. Hein. Parce que. Il y a Lilou Ngono qui chante là-bas. La femme du voisin fait quoi de moi, Alexis? Hein? Tu fais quoi de moi, Alexis? La musique ne suit même pas. Voilà ce qui sortit. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Voilà le bâton de manioc qui sortit. Le bâton de manioc. Et c'est 12 mangues. Il y a les 12 mangues. Le bâton. Tant, le bâton. Vous croyez que les gens sont encore normaux dans les pays là? La femme du voisin fait quoi de moi, Alexis? Et toi-même, tu fais quoi, Alexis? Je ne sais pas si tu es marié. Tiens! Les gens là chantent les chansons là que tu restes sur disant que non. Non. En tout cas, nous, on vous soutient, vous nous animez quand même. Hein. Bébé. Ça va qu'un casse-tache va sortir, une casse d'un doué. Si, on me va. Bon, écoute, bon, on a assez joué, non? Hein? Tu vois, tu es là, tu as de l'eau, tu as l'affection. Tu as tout ce que tu veux. Hein? Tu as tout ce que tu veux. Tu as tout ce que tu veux. Hein? Moi, tout ce que je veux, c'est que tu prennes force, hein, parce que tu es un bébé. C'est un bébé. Mais tu es un bébé. Non, je dois te regarder. Tu as vu, même ces poils, les poils ici ne sont même pas encore. Regarde, les petits poils. Et ici, là, regarde. Dis que tout ce poil, il n'y a rien. Et tu vas où tu es à moi. Tu es mon enfant. Tu as eu la chance que tu es passé, que la voix, je vais passer par là. Est-ce que moi, j'ai eu pitié? Alors là, tu viens de faire une erreur monumentale. Tu viens de chier sur moi. Non, c'est pas grave. Je comprends que tu es malade. Et pourquoi tu es tout son blanc comme ça? Eh ben. Eh ben, on va passer à sortir de la maison aussi. Ma combinaison. Ce n'est pas grave. C'est normal. Les enfants font des erreurs. Viens, je te suis les fesses. Ouvre ça. Ouais. Éduquer. Waris, c'est comme il t'a dit, Waris, ne mets plus les choses dans mon truc. Je t'ai dit d'abord. Ne mets plus. Tu vas te cacher quoi pour mourir. Si tu veux mourir, tu me dis. Ouais.
Ouais. Si tu l'as. Bon. Faites ça à Dieu. Tu veux y'a d'aille. Parce que les autres se cachent pour mourir. Si tu veux d'aille, tu nous dis. Je ne vois pas pourquoi on est là. Toi, tu finis de chier sur moi. Tu vas te cacher là-bas derrière. Tu as une chambre illustrée ici. Fais à ton honneur là-bas. Mais tu es toujours là derrière moi. Je regarde ton cœur. Hein. Calme-toi. On va faire comment? N'est-ce pas, chercher un animal de compagnie? Elle voulait adopter un petit chien là-bas. J'ai dit non. J'ai trouvé ma part là-bas en route. Donc, toi et moi, ma part est toujours bizarre, hein, genre. Les gens ont les chiens, les chats. Moi, j'ai les pigeons. Pigeons voyageurs, qu'après, il va se voler. Bon, bisous. C'est un bon coup. Ouais. Non, ça, c'est un bébé, ça. il y a donc il vient de naître, donc il n'y a que ça là, les petits ailes là. C'est juste que sa maman l'avait porté pour venir ici. Il est passé là-bas en route. Je laisse un peu. Non. Au balcon? Non, il va partir. Non, mais non, c'est un bébé ici, je le laisse. Parce que c'est moi qui je l'ai trouvé là-bas. Mais la première fois que je les ai vus, ils étaient ici tous les deux. Il avait son père, ils étaient toi. Son père, sa mère et lui. Je ne sais pas comment ils ont enterré là-bas. Après, ils sont partis. Et après, c'est sûr qu'elle n'arrivait pas à supporter le tube. Il est peut-être tombé sur une branche là-bas. Je l'ai ramassé là-bas au sol. Je l'ai amené ici pour le guérir. Non, si je le mets là-bas au balcon, il va revenir. Si pas, ça va me faire mal. Parce que je sais qu'il est en interne. Voilà. Tu ne sais rien faire. Quoi, tu tombes. Comment il va te laisser? Hein? Même ta mère, ta bordel de mère, t'as venu te laisser ici. Hop, hop, ne viens plus jamais ici, hein. Hop. Je te dis d'abord, c'est ce que tu as dit, tu as dit de laisser. Je ne vois plus de voir ici à la maison aussi. Je te dis d'abord. Sa maman est là, non? Ils habitent ici, non? Sa mère est née ici, non? Ils sont tous nés ici. C'est pour ça qu'ils sont revenus ici. Mais, elle lui a dit, ah bah ouais, tu appelles ta petite... Ton pigeon meurt. Le même meurt, tu appelles ta petite fille. Ah, ouais, le chômage va tuer les gens en France. Moi, je ne chôme pas. Je suis salarié de Meta. Même comme il n'y a plus de publicité, il n'y a plus la monétisation. Non, mais il y a des gens vraiment qui énervent ici à Facebook. Hein. Où est-ce que Nicole Ketcha, tu es où? Bébé, là. Et la nerveuse, là, celle qui s'énerve là-bas, la voisine de Perpetua. Hmm? Elle est nerveuse, la fille, là. On a posé Catherine, où c'est ça? Vous êtes nerveux ici à mettre un... Souvent je rigole. Quand je vais dans un direct là, je regarde, je dis que ça me fait. Elle est nerveuse. Maintenant, elle attend dans le clan de quelqu'un comme. Maman, c'était ça, Bamie, que tu n'es plus avec moi. Hein? Vraiment. Est-ce que j'ai mis le tout là où il est?
Allez, viens. Viens dans la chambre, d'accord? Viens dans la chambre. Bon. Tu vois, voilà. Quand tu restes là, tu dors bien, hein? La chambre ici. Tu fais ce que tu veux là-bas. C'est pour ton bien. C'est pour que tu prennes des forces. Le doigt est très dur. Le doigt est dangereux. Papa, le lundi est moche, hein? Le lundi est très très moche, franchement. Le lundi est souvent très moche. Va te laver tes mains, imbécile, chienne. Tu demandes à qui te laver les mains. Hein? Vous n'avez rien fait dans vos vies que de regarder les gènes de vie des autres. Va te laver les mains. Tu parles comme ça à qui? Tu es malade? Même si je lave pas mes mains, ça te dérange à quoi? Hein? Faire ça dans vos pages, je ne te connais pas, hein. Laurent Gustave, je te... tu n'es jamais venu chez moi, hein. Tu veux te faire connaître? Et là, nous aussi, là, à te laver les mains. C'est toi qui vas mourir. Comme vous n'allez jamais mourir, là. Maintenant, c'est quoi? Je suis chez moi. Maintenant, je suis en train de préparer ça. Tu n'as pas attendu l'eau couler, là. Va te laver les mains. Vous venez chercher vos morts en plein lundi. Dans le calme. J'ai le temps, hein. Quand on demande de cotiser pour les gens, vous pouvez cotiser. C'est pour donner les règles d'hygiène de vie des autres. Là, alors, vous voir. Quand il faut 1 euro et c'est la fin, tu peux me donner 1 euro. Tu peux. Hein? Tu peux me donner. Des fois, tu peux venir, tu déranger la vie des gens. Dans les hôpitaux, hein. Va te laver les mains. Tu te parles comme ça qui? Hein? Vous qui êtes tellement propre,
Mais vos vies sont engangrenées avec les cancers, avec le gonococie, avec le syphilis, avec le sida. Moi qui suis sale, je suis malade ou quoi? L'oiseau, ça fait il y a combien? J'ai ramassé cet oiseau, c'était quand? Jeudi. Mercredi, non. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, lui et moi, je ne tombe pas malade. Il va te bike. Quand on parle d'aller dire déjà, vous quittez, hein, foutre le camp. Foutre le camp. Maman, laisse-le. La langue galaise a parlé quoi de moi là-bas? Je n'existe pas, non? Vous savez, il y a les gens ici, hein? J'ai envie de vous revoir. Alice? Pourquoi Alice? Ah, c'est Alice qui avait souscrit. Attends, le plus. Un jour. Parlez pour vous. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas te dire bonjour. Je suis ici. Parfois, je dis, mettez-moi seulement les cœurs, personne ne met les cœurs. Mais si c'est pour venir commenter l'hygiène de vie des gens, là, on vous voit. Ça ne me passe pas comme ça chez moi. C'est la dernière fois que tu viens commenter chez moi. Mais mangez mes doigts pour que j'ai touché l'animal. Tu n'as pas aussi fait la remarque que je suis allé me déshabiller. Moi, j'ai des problèmes, hein. Et j'adore les problèmes. Donc fais attention à toi. Surtout là, surtout dans mon game ici là. En tout cas, que je descends, j'étais ici, merde. Que je descends, j'ai des cigarettes. Pourquoi je fume en fait? Je comprends pas pourquoi je fume. Pourquoi j'arrête de fumer? C'est l'argent en plus. Hein. Je vous demande, vous avez demandé les rouges à lèvres. Si vous n'avez pas donné les rouges à lèvres, voici mes rouges à lèvres, non. Vous savez pourquoi je suis très dur avec les Warriors? Pourquoi? Parce que les Warriors sont très durs. On dirait que j'ai ramassé que la pauvreté dans mon mur. On dirait que j'ai ramassé que les pauvres gens. Qui ne peuvent pas m'aider même une fois. Rares sont ceux qui m'aident même. Mais si c'est pour venir commenter chez moi, ils sont là nombreux pour venir commenter. Ah, j'adore la veuve. J'adore. Quand on adore quelqu'un, on fait quelque chose de bon pour la personne. Vous vous donnez quoi? Si c'est pour venir commenter, va laver tes mains. Tu parles à qui? C'est ton égal? Allez laver les mains, madame. Choigne. Il y a un problème avec mon. Il ne faut pas faire comme ça. Hein. Faut faire vos choses là-bas. Dans vos choses là, dans vos quartiers. Vous et moi, on n'est pas pareil. C'est parce qu'on fait les brongages avec ici à Facebook que nous, vous croyez qu'on est pareil. Non. Même si je suis devenu pauvre comme je suis pauvre aujourd'hui là, hein, je vous dis que si je suis pauvre comme je suis là, je préfère quoi être pauvre. Mais dans le respect. Quand on gère une entreprise, on a beaucoup, beaucoup à faire. Conto, c'est le contrôle qui simplifie vos finances. Facturer en un clic, c'est fait. Demander un financement, c'est fait. Conto, le contrôle qu'il vous faut. Conto, et c'est fait. Non, ils sont même pauvres, c'est la pauvreté. Non, les gens qui sont là, d'un temps. Aïe, aïe, aïe. Voici encore pour vous. Regarde. Pour vous, tonton. Minou, regarde. Il y a un problème qui se pose.
Je ne suis pas le demande client aux gens. Moi-même, je me débrouille. Hein? Moi-même, ma famille, c'est que je n'ai pas. Moi, je ne pas rester comme ça. Je pense que je vais envoyer l'argent à ma famille. Mais quand j'ai l'argent, même si j'ai même 200 ou 500 euros couché comme ça, là, j'essaie d'envoyer quelque chose de peu pour ma famille. Tu vois, mais et ce n'est pas obligatoire parce qu'on est nombreux. Non, il y a beaucoup d'abus sur Facebook, mais les gens qui viennent crier aux abus, au loup là. Les gens qui viennent crier au loup. Ça, c'est là que. Voilà, parlons un peu. Je vois là où je veux venir. Tu vas venir. Parlons un peu de ma cuisine. Ça, c'est une cuisine de 4000 euros ici. Les jeans ne m'ont pas encore terminé. Je suis obligé de pomper l'eau. Moi, je me suis débrouillé pour ma cuisine. La bordelle de la vieille qui rêve de femme bien dans son lit là. Dans son vieux cul, dans la vieille chaîne de poils, les poils blancs de saillies qui sont dans ton derrière pourri là, qu'on appelle les financiers potentiels là. Une ancienne gardienne Kondangi, qui a fait Kondangi? Maman là, on t'a dit, mais tu quand j'ai appris qu'elle a Kondangi. Fambia fait combien qu'il est mis encore à Cannes? Tu n'es pas allé voir ton mari Fambia? Tu vas finir là-bas dans le noir. Tu n'as plus de, j'ai remarqué ta part, tu n'as plus de vue, hein. Moi, je t'insulte quand je veux. Parce que tu n'es rien, tu n'es qu'une menteuse. Tout le monde a vu quand j'ai commencé ma cuisine ici. J'ai commencé d'abord à faire la peinture. Voilà ma peinture que j'ai fait ici, jaune ici, orange là-bas en haut. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu comment j'avais fait la peinture dans toute ma maison. Là, chaque année, l'année prochaine, je vais faire encore la peinture. Je vais changer les couleurs. Je vais mettre tout rouge. Rouge sang. Et vif. Oui. C'est la couleur là que je vais mettre dans les murs ici. Là-bas, ça reste blanc, immaculé blanc. Là, un rouge festif. Voilà. C'est toi qui aurais mis ça. Hein? Il y a quels abus. Quels abus ici à Facebook? Non. Il n'y a pas les abus. Moi j'ai mon PayPal, j'ai demandé comment avoir l'argent à PayPal, que je veux faire ma cuisine, qui m'envoie quelque chose. Non. Moi mais je vais encore quitter Kouyangou, j'ai mis mes petits sous, faire mes petites choses seules, quelqu'un va encore venir s'autoprogrammer que c'est moi. Alors je dis niet. Tout le monde va te aider. Quels abus? Moi je n'ai pas eu d'abus. Hein. Moi j'essaie de remercier le ciel. Hein. Voilà, je remercie le ciel. On dit que quand tu trouves le pigeon au sol, tu remercies le ciel, non? C'est le bonheur, non? Et de base, ça, ce n'est même pas un pigeon. Il y a un zoom. Ils ont un nom là. Parce que le vrai pigeon, il met le pied au sol, il ne vole plus. Parce qu'il y a deux sortes de pigeons. Ça, ce sont les pigeons de ville. Les vrais pigeons. Le vrai pigeon met le pied au sol. Il ne vole plus. C'est interdit. Ils errent. Leur vie, c'est d'errer de branche en branche. De se mettre à la hauteur. Si vous voyez un pigeon au sol, nous, on était en Afrique, vous avez vu un pigeon sur en Afrique un jour. Non. Les pigeons que tu vois au sol, la plupart des pigeons, c'est même valable pour un souci. Ça veut dire que soit c'est la mort, soit il faut nous sauver. Oui. Les pigeons vivent en communauté. Vous êtes là, ngé de quoi? C'est ça les gens qu'on aide, moi qui m'aide, qui me fait quoi? J'avais envoyé les vidéos, m'a fait, hey, merci ma soeur, tu m'as aidé. Je devais envoyer les plans de ma cuisine, les plans d'ici. Oui, c'était ça, c'était à l'époque, oui. Oui, c'est exactement, oui. À la base, c'était ça, c'est exactement. C'était ça. Oui, effectivement, à la base, c'était comme ça, parce qu'à la base, il n'y avait pas la monétisation. Et comme on n'avait pas la monétisation, du coup, les gens, ils créaient les PayPal, les... Il y avait un autre truc là qui commandait l'argent là-dessus. Là.
Il y avait PayPal, il y avait Nest. Ils avaient beaucoup, ils ont beaucoup de trucs là où ils commandaient l'argent. Ne donne pas la veuve, donne qu'à moi, donne pas celle-ci. Oui, c'était comme ça. Maintenant, alors, va faire comment maintenant? Parce que maintenant, ne donne plus rien. Hein? Je ne sais même plus si je suis monotisé. Hein? Donc, vous voyez un peu, c'était un peu ça, quoi, la base, quoi. Donc, voilà. Hein? Quand tu connais un philanthrope, tout le monde a besoin d'aide. Si moi, j'ai des animaux, combien de fois je peux aider les. J'ai aidé combien d'êtres humains chez moi ici? Combien d'êtres humains j'ai aidé chez moi ici? Il y a même un qui me dit d'accord, bon, c'est même un qui peut avoir créé des faux comptes pour venir m'insulter. Mais ils ont oublié qu'ils sont dormis, ils sont chiés ici. Je les ai pris ici. Voilà une maison, c'est voilà deux chambres. Ici, voilà vide. Mode, s'il te plaît, tu peux m'appeler, appelle-moi tout de suite au 07 53 53 91 98. S'il te plaît, je vais demander quelque chose. J'ai besoin d'un service très urgentement là. Parce que le lundi, comme ça, pour sortir la promotion. Pour moi, c'est un calvaire hein, pour sortir. Hein. Mais je dois sortir parce que je veux manger, que je fume. Tu peux m'appeler? Il est 11h48. Appelle-moi au 07 53 91 98, s'il te plaît. Je vais demander quelque chose. Bah, si tu veux m'appeler, tu m'appelles. Hein. Oui. Mais oui, c'est. Tu vois pas, non? C'est comme ça qu'eux, ils sont, ils font les choses. Hein. C'est comme ça. C'est ça. Les gens ne donnent plus d'argent. Moi, je suis d'abord pauvre. Moi, je ne demande même plus rien. Et me reste souvent après, je vais souvent. Moi, donc, tu peux m'appeler là, s'il te plaît. Je te demande de m'appeler, s'il te plaît. C'est urgent. Tu n'as pas ce numéro? 07 53 53 91 98. Si tu veux m'appeler, je n'ai plus ma fille. Hein. Après, je te demande juste demande quelque chose. Parce que ce que tu es là en direct, ne dis pas que tu es seulement venu, tu es parti. Je ne veux pas mettre ta voix. Je veux te poser une question. Coucou, ma Caroline, c'est comment? Oui. Quatre. Quoi? Faut que tu ailles retirer l'argent de mon compte. Je sais pas si... Maud, tu peux m'appeler ou pas? Je te demande de m'appeler. C'est mon numéro. Tu me suis devant les gens là. Hein? Et après, tu vas revenir à quoi ici? Je veux te demander quelque chose. C'est très urgent. Je ne te demande pas l'argent, parce que tu n'as pas l'argent plus que moi. D'abord, je n'ai rien. Je te demande quelque chose parce que tu es ma fille, tu es ma personne. Donc, je veux que tu m'appelles à ce numéro. Je veux te demander quelque chose là, maintenant. Tu me dis oui ou non, c'est tout. Là, maintenant, tu as peur de quoi? Tu n'as pas de crédit. Moi, je n'ai pas WhatsApp. Je ne suis pas à WhatsApp. Hein. Je n'ai pas WhatsApp. Appelle-moi. Ok, tu ne veux pas appeler, laisse tomber. Ne viens plus à leur dire ici que bonjour, ma mère. D'abord, tu m'as même dit bonjour. Tu ne m'as pas dit bonjour, ma mère. T'as qu'il y a un problème. Toi-même, tu sais ce qui s'est passé. Ah, mais Waros, alors la cuisine, j'ai faim. Je vais faire des chipolatas. Maman. Ah, la cuisine, la cuisine, la cuisine, la cuisine, la cuisine, c'est pour gâter moi-même, manger ma gâte. Maman, je suis. Quand je mange.
Je vous aime bien. C'est là le problème là-bas, le problème des étudiants donateurs. C'est ça. Moi, c'est ça comme étudiant, non, mais je viens. Ouais. C'est ça, parce qu'il y a des gens que. Il y a des gens. Dans la vie, il faut que tu penses que tiens, il faut tenir la main des gens. Mais il y a certains ici qui ont dit que c'est eux ceux qu'on doit donner. Et comme. C'est comme si l'influence, ces gens-là qui donnent. Oui, mais. Vous savez, il y a l'influence à Facebook. Hein? Comment peut-on t'influencer sur ton argent toi-même? Je dis, comment peut-on t'influencer? Moi, je. Voilà un secteur que je ne comprends pas. Tu as ton argent. C'est quelqu'un d'autre qui te connaît. Ne donne pas à telle personne. Donne à telle personne. Pourquoi? Vous voulez faire partie de la fraternité? Je ne comprends pas. Hein? Moi, je veux seulement savoir vos histoires. Hein? Moi, je veux savoir. Maud, merci, hein, Maud. Ne dis pas que tu es au travail, hein. C'est hors de question. Donc là où tu es là, commence à t'éloigner bien de moi. Je voulais te demander quelque chose qui est très important. Tu viens. Après, tu vas être dans la veuve. Donc là où tu es là, comme tu veux me suivre devant les gens. Tu sais ce que je vais te demander, c'est pour ça que tu fuis. Ce n'est pas grave. Donc fais alors attention. Quand je suis en direct, ne viens plus dire que ma mère, bonjour, il n'y a plus de mère. Parce que la fille doit être avec sa mère quand il y a des problèmes. D'ailleurs, ça fait même quelques temps, je te vois même plus dans le direct. Tu me dis souvent que ma mère, bonjour, maintenant c'est pour ma mère. Maintenant c'est Jaja, un Jaja. Donc. C'est pour les bébés. Je fais des chipolata. Des saucisses. Ouais. La semaine dernière, c'était elle et décès, elle et maman, mon maman. Aïe, tu as toute la semaine, c'est qui? Ça va tomber sur qui cette semaine? Pose-moi la question, hein. Que la semaine, ça va tomber sur qui? Voilà. Voilà. C'est ça, non? Faites vue et ignorez. N'allez pas là-bas. Restez ici, connectez ici. Ce n'est que moi, ce qui doit manger. Hey, faites vue et ignorez. Elles sont là comme des animaux sauvages. Dès qu'elles sont sauvages, elles deviennent encore sauvages. On va faire comment? Qui ne pleure pas, mais il y a certains là qui ne pleurent pas, hein. Ils sont sur deux, ils ont les vrais donateurs ici à Facebook, d'autres que quelqu'un me dit souvent bonjour deux fois, ça devient déjà que c'est moi qui a fait sa cuisine, c'est plus toi qui a fait la cuisine, c'est devenu que l'argent du contribuable camerounais, maman.
que les gens sont indignés. Hein. Les gens sont indignés. La reine Valonne vient m'insulter, non? Vous ne voyez pas dedans. Il faut lire les commentaires. Les gens insultent mes enfants dans ces commentaires. Je lui ai fait quoi? Rien. Maintenant, comme hier, j'ai fait comme j'ai fait hier. Oh, à la fois, j'ai fait chez nous. Là, on l'a mis là-bas. Hein? Elle insulte les enfants. Ah ouais? Quand vous avez commenté, je sais que cette chienne de la reine Valonne là. Je ne veux pas parler de mes enfants. Vous insultez les enfants, non? Et alors? À la guerre, pour la guerre. Pour moi, il y a une qui vous manipule ici, vous tous. Elle est partie pour mettre. Elle a dit que je vais à Dieu, je vais avoir le pouvoir. Je ne veux pas les tuer, mais je veux savoir avoir le pouvoir. Je veux qu'elle me donne tout. Quand comme alors quoi? Voilà, je veux. Quand comme alors, moi je tue à quoi? L'immeuble, mensonge. L'appartement que maman a que tu es parti meubler là. Là où ton fils et toi, tu as des problèmes là. C'est pour ton frère qu'on a arrêté pour le fémanie au Cameroun, là, aux États-Unis. La maison de Dieu, tu as alors quoi toi-même? Dis-nous, qu'est-ce que tu as? Hein? Rien que tu vois que la popularité, où c'est la popularité, où c'est quoi que tu as là, c'est tout. Tu n'as rien. Hein? Quand on va parler, tu as tes dépenses, avec quoi? Avec les vues payées, tu mets ça. Hein? Avec les vues. Hein? D'abord, elle aime les femmes. Tu ne peux pas faire la conclusion avec une femme qui aime les femmes. Parce que les lesbiennes, toutes les femmes avec qui vous voyez là dans sa bande sont des lesbiennes. Oui. Tu ne peux pas conclure ça. Tu peux faire la conclusion avec une lesbienne. Tu es morte. Ben oui. C'est une tchèle. C'est une femme qui adore brouter la chair des femmes. Là, vous la voyez là. Oui. Mais dans ça, alors, elle a alors quoi? Ça a été affirmé que la maison là, ce n'est pas sa maison. Hein? Oh, je dis que tout le monde se mobilise pour aller à sa soirée. Oh, Moulema. C'est la loi, je n'ai pas de parler de ce que je fais. Mais oui. Moi, je fais seulement un constat. Ça, c'est un constat. Bah oui. Moi, mais j'ai conçu. Quelle la quoi? Tu as voulu l'abandonner ça depuis des années avec la fondation à Dieu éternel. Et ça a prouvé que ce n'est pas elle. L'immeuble est ou rien. Elle vient dire moi je suis content, tu n'es pas content, tu n'es pas fille, tu n'es rien. Tu n'as rien fort. Hey. Où sont ta boutique? Hein? Voilà la dèche qui vend déjà qui fait déjà les produits. Les produits qui ne font pas vendre. Tu es dans le faux. Oui. Tu as quoi? Tu as le quoi? Je veux savoir, hein? Hein? Tu as quoi? Je veux savoir. Quand il y a quelqu'un, tu as des dépenses avec quoi, maman? Quel est le but, hein? Avec quoi, maman? Elle a tiré sa maison au village. Oh, une maison qu'on ne voit jamais. Voilà ça. Ton propre fait d'être trahi à Facebook. Que comme tu as quoi? Hein? Même l'enfant, tu n'as pas parlé de petit. Soupir, ce n'est pas ton enfant. Soupir, c'est le dernier fils de ma Anna. C'est sa mère là-bas. Tu as seulement récupéré ton petit frère. C'est tout. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Et c'est vrai. Comme ça, tu n'es pas tout matériel. J'avais vu ici. Et pour nous dire, alors tu as quoi? Tu es stade, quoi? On voit les malins que tu as monté leurs enfants.
Le monter, monter leurs enfants en couple. Moi, toi, alors tu as quoi? Le mariage, tu as payé ton mariage. Tu as voyagé, tu as posé pour arriver ici. Tu as quoi? Hein? Depuis que tu laisses les pêtes blanches là, quelqu'un. Depuis que tu laisses les pêtes blanches là, tu as quoi? Tu dis que quoi? Je suis prête avec toi. N'allez pas à sa soirée, mais Wall, n'allez pas. Depuis quand tu parles dans les soirées de Londres? Hein? Tu vas venir demander à Beka Beka Washington le monument. M'a coupé, coupé, soya. Massa. Pour la soirée. Venez, les élites, comme tu vas commencer à tourner avec vous ici en vrai. Comme ça, bam! La mort vous attend. Venez. Venez. Soirée du siècle. Les gens se préparent, vous vous préparez à la mort. Hein? Le tout de vieuse là, la seule qui a réussi, c'est elle a réussi avec quoi? Elle n'a ni maison au Cameroun, ni terrain, ni enfant. Et vous venez parler? Hein? Je ne sais pas ce que tu parles là. Elles sont nombreuses. Voilà ma cette étoile. Les bambiers, que c'est vous hein. Vous avez pris tous les pages de ma cette étoile. Parce que ma cette étoile ose s'afficher avec les quoi. Parlons de ça. Parlons. Parlons de ça. Maïe 5 étoiles, maman. On a pris toutes ces pages. Pourquoi? Parce que ne trouve pas la soumission des réseaux sociaux. La soumission. La soumission des réseaux sociaux. Bébé. On dirait que si elles ne sont pas dans un groupe, elles ne sont rien. Si on n'est pas mis avec Fleur de Lille, on a raté sa vie. Eh bien, dis donc, on l'a raté bientôt, hein. Parce que c'est la guerre. Donc, si on n'est pas mis avec toi, hein, une personne qui n'a ni mari, Qualia, le nom d'un Tchécoslovaquie, le nom d'un Tchèque, qui a eu pitié de toi dans les bars à champagne là-bas en Belgique, pour t'épouser, tu n'avais pas encore fini de payer la dot, tu n'avais pas encore fini de payer. C'est pour les autres qui viennent voir. J'ai décidé qu'avec vous, maman, c'est comme si j'ai seulement mangé le dota. C'est comme si j'ai seulement mangé. Parce que vous, la Camerounaise, tchèche. Faux, usage de faux. Voilà, Piscaline, qu'on a aussi pris dans mon coin. Parce qu'elle n'est pas déjà aussi fort aux gens. Parce qu'elle parle fort. Et le pipi est là. Et lent.
Tu dois te dire, il y a mes soeurs de mes fesses, oui. Bap. Sérieux, ne fait pas beau aujourd'hui, donc méfiez-vous. Ceux qui vont sortir, ne sortez pas parce que là, il ne fait pas beau, il pleut, tout ça. Ouais, c'est moi que moi j'aime en Facebook. Mais je m'en fous, quoi. Moi, je passe ce que j'ai envie de parler. Les gens qui sont faits, c'est 100 ans, 20 ans, soit des ans en peine. Qui n'ont même pas un bout de terrain. Ok, je vais aller au Cameroun. Je veux faire ceci. Je vais aller là-bas, je vais faire ceci. Pourquoi tu ne pars plus on appelle là comment? Au Togo. Tu étais ici avec la Marie la Rose. Tu as fait pas à Marie la Rose ici. Pour aller prendre son pouvoir au Togo. Marie la Rose a dit qu'on ne part plus au Togo. La dernière fois que tu es parti, je reviens plus chez moi. Maintenant, tu es où maintenant? En Louisiane. En Nouvelle-Orléans. C'est là-bas que tu es maintenant. Tu peux faire le vaudou là-bas. Pour que les gens t'aiment. Pour ta soirée. Joséphine Bayan qui parle là. Ce qui parle de RRL. Quand elle te parle, elle parle avec le français de Bassa. Puis quand tu vas venir, Bayan. N'est-ce pas au début tu étais avec Lolo? Tu étais avec Lolo, non? Oui. Quand je ne sais pas tourner la langue. Je coupe la vidéo aussi.